Le Buzzomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et sur la planète Apple. Et c'est Didier Poligani qui nous le présente, comme chaque semaine. Quel beau profil, Didier. Alors, du coup, Olivier, ça va plaire à Laurent, ça. On commence avec de l'IA, qui pourrait enfin arriver dans Siri, mais l'année prochaine. Et c'est le site The Information qui lâche l'info. Donc, en général, ils ont quand même des bonnes infos en ce moment, eux. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais apparemment, Apple se sera enfin penché sur la question de Siri. Mais il faudra attendre encore une petite année, plus la bêta, plus tout ça. Donc, tu vois, voilà, il va falloir être un peu patient. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pas pour cette année. Donc, deuxième info ou rumeur. Alors ça, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un marronnier. Tu sais, Apple a racheté la division des modems Intel, c'était, je sais plus, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, et pour se passer de Qualcomm à terme. Bah non. Bah maintenant, on te dit que les modems 5G d'Apple, ils n'arriveront pas avant 2025. Donc bon, voilà, il va y avoir encore quelques petits accords avec Qualcomm. L'idée étant aussi de, à la fois d'avoir la main mise sur les modems et puis d'arrêter de donner de l'argent à Qualcomm. Troisième info, rumeur. Alors ça, c'est la décision européenne donc, qui est tombée cette semaine. Donc Apple va être forcé d'ouvrir l'App Store, d'ouvrir en fait à des App Store tiers son iPhone. Par contre, iMessage échappe pour l'instant au principe d'universalité, tu vois, de devoir être compatible avec d'autres systèmes. Mais c'est à l'étude, donc Apple a fait une espèce d'objection et ils étudient son cas. Mais on devrait avoir donc des App Store peut-être d'ici l'année prochaine. Ça peut arriver vite hein, quand même. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui doivent déjà plancher sur le sujet. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas encore du slide loading Non, mais ça revient un peu à ça, finalement. Il faudra quand même toujours passer par un App Store. On ne pourra pas installer une application d'un site tiers. De toute façon, je pense que, de toute façon, ils vont verrouiller le développement, à mon avis. Même sur les App Store tiers, je ne suis pas sûr que tu pourras faire vraiment ce que tu veux. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. Si l'Europe est compétente pour arriver à aller dans les détails de tout ça, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est totalement incompétent, ça c'est sûr. Mais à la fois, c'est aussi une bonne chose pour les consommateurs. Je crois pas. Ou les éditeurs, en tout cas, qui ne voulaient pas verser la dîme à Apple. Par contre, c'est vrai en termes de sécurité. Qu'en pense le développeur Christophe Degras? Mais quand tu vois sur Android ce qui se passe, finalement, les gens ils vont quand même sur le store Android. Store principal. Christophe, une opinion ou pas? Oui, du point de vue du développement, je pense que la diversité a du sens d'un certain point de vue, à condition que, à la seule et unique condition qu'effectivement une qualité en fait, technologique soit conservée, ce que fait très bien Apple aujourd'hui. Donc ce serait vraiment dommage d'avoir un Apple Store, un Apple Store de quelqu'un d'autre qui viendrait sur l'iPhone par exemple et qui serait juste immonde avec aucun contrôle de la nudité, etc. Je pense que ça c'est vraiment à éviter. Sinon, c'est vrai que c'est sympa parce que du coup en fait on peut avoir éventuellement une nouvelle relation commerciale avec une autre entreprise que Apple qui éventuellement accepterait peut-être de ne pas taxer les développeurs de 30 ou de 15%, quoi. Au moins. Imagine ceux qui ont fait le procès, qui, à juste titre ou pas, Spotify, tous se regrouper, en créer un. Mais c'est à l'origine de tout ça. Bien sûr, je sais bien, mais en créer un, parce que là, ça serait quelque chose avec des fondations solides. Ouais. T'imagines ? Et il y en a plein qui sortiraient, Netflix, tout cela sortiront. Bon. Tu verrais. Oui, parce qu'eux, ils ont des garanties, une taille critique qui permet de garantir une qualité et une sécurité. Oui. Et donc, tu vois, dans le truc, donc s'ils s'associent, ces gros-là... Je pense qu'il faut qu'on en fasse une émission sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Mais s'ils piquent, tout cela sort... C'est un sujet complexe, hein. c'est pas un sujet simple. Hein. Ah, nous, Européens, on le traite par législation. Oui. Mais moi, aujourd'hui, là où je suis content, c'est que mon iPhone, je les mets entre les mains de mon fils, tout est verrouillé, quoi. J'ai le contrôle parental, j'ai le truc, les Android, c'est des passoires, quoi. Les gamins, ils vont, ils installent ce qu'ils veulent, ils contournent tout. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté écosystème sécurisé, protégé, avec des applications de qualité, moi, ça me va. J'ai pas envie. Tu vois, et en fait, l'Europe dit ah oui, pour le bien du consommateur, pour interdire Apple. En fait, c'est juste, on veut combattre cette espèce de vision de la pieuvre Apple. Non, mais on peut comprendre aussi que l'Europe se dise bon, c'est bien de faire un App Store parce que vous voulez garantir une sécurité, une intégrité, contrôler les contenus à vos utilisateurs, mais quand l'App Store est sorti, l'iPhone se vendait à quelques centaines de milliers, voire à 1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, c'est un tiers, voire plus de la majorité des parts de marché aux États-Unis. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un abus de position dominante? Et on le voit chez la... Si je peux me permettre. Oui, Christophe. De toute façon, un nouveau store d'application va être une application.
Et pour pouvoir publier son application chez Apple, ouais, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un contrôle de qualité. Ouais. Non, le seul point positif, je te donne, ça sera ma conclusion, oui, je vois un seul point positif. On a beaucoup à dire sur les iPhones. Je suis contre les situations de monopole, donc on ne vienne pas me dire que je suis pour le monopole, parce que là on va dire... Je te dis la position de la Commission européenne. Laisse-moi finir. Ouais. Je dis juste que je déteste les situations, je suis pour la liberté, donc dans l'absolu, ma philosophie intrinsèque voudrait que ce soit ouvert. Maintenant, je pense qu'on se trompe dans la philosophie Apple. La philosophie Apple a toujours été quand même de protéger le consommateur et ça. Le seul point positif que je vois à ça... Oui, ils ont toujours abusé même. Le seul point positif, c'est que je me dis, s'ils se font un petit tillet, ils sont capables de nous sortir un meilleur Apple Store. Ce qui, dans l'absolu, risque d'avoir des conséquences encore plus négatives pour les autres, parce qu'ils vont être challengés et donc ils vont devoir faire mieux. Et s'ils font mieux, ils vont tuer les autres. Donc c'est très bien. Je pondère ce qu'a dit mon cher voisin de droite, et je sais que ça va faire abîmer les oreilles de notre cher Christophe. Allez, montre-nous ton nouvelle Galaxy. Sur le Play Store, quand on veut installer une appli ou quand vos enfants essayent d'installer une appli, vous avez la liste des téléphones qui sont dans, comme l'équivalent de notre partage familial. Oui. Et donc si on veut par exemple que Discord que je viens d'installer sur cet appareil-là ne soit pas installé sur un des appareils Android de la famille pour X raisons, là, il y a la possibilité de ça. Si tu vas sur un autre store. Exactement. Voilà. C'est plutôt bien fait sur Android. Allez, on parle un petit peu de Mac, Didier. On reviendra sur ce sujet lors d'une émission. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, on en discutait, je ne sais plus avec qui, peut-être Damien Douani, il n'y a pas très longtemps, disait que c'est dommage que le MacBook Air de l'époque, celui que tu arrivais à acheter à 700 euros, n'existe plus. Et Apple, peut-être, serait en train de réfléchir à une espèce de MacBook pas cher, surtout maintenant qu'ils ont leur propre puce, tout ça, tu te dis, ils pourraient réutiliser un design de MacBook 12 pouces, par exemple, pour contrer aussi les Chromebooks, qui ont un certain succès, notamment aux États-Unis. Donc ça pourrait être une super nouvelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc une machine un peu moins puissante, à un prix un peu agressif, comme l'iPhone SE en fait. Moi j'ai quand même un doute, Didier, parce que quand tu regardes les stats de vente en fin 2022 des Chromebooks, c'est la catastrophe, c'est genre moins 17% ou moins 21%, je ne sais plus, chez HP, c'est la catastrophe en fait. Mais le Mac non plus. Hein, c'est sûr, mais par contre tu as toujours un marché sur l'entrée de gamme de toute façon. Donc, Allez, après le Mac, l'iPad les amis. Alors cette année, justement, pas d'iPad. Voilà, donc on sera un petit peu en vacances en octobre. On aura peut-être des iMac, peut-être des Mac Mini, peut-être du M3, mais on ne devrait pas avoir de nouveaux iPads. Par contre, il y aurait peut-être un vrai nouvel iPad Pro l'an prochain. Alors quand j'ai regardé les rumeurs, qu'est-ce qui avait l'air nouveau ? Ils auraient changé le trackpad du clavier. Bon, waouh, voilà. Pas d'écran OLED pour l'instant. Hein, c'est ce qu'on attend. Écran OLED l'année prochaine, a priori, 2024. Peut-être. Merci beaucoup, Didier. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau busomètre.